de faire travailler ma mère. C'est pas venu tout de suite quand je l'ai écrit, c'est venu sur le tard. J'avais envie de la montrer telle que moi, je la vois, sa fille, et je pense que je la connais vraiment bien. Et j'avais envie que ça soit un crescendo, quelque chose d'assez sombre et qui aille vers la lumière. C'est quelqu'un qui a une expérience incroyable et que c'est vrai qu'autant dans la vie, elle peut me dire, par exemple, de me tenir droite, mais sur un plateau, elle ne va pas me dire quoi faire. Il y a quelque chose de... Il y a un vrai respect mutuel, on s'écoute. Si tu as de l'émotion plus tard et que moi, je suis sûre de pas bien à ce moment-là, l'émotion, je la retrouve après. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On s'entend mieux dans le travail que dans la vie, mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Alors, au début, je n'arrivais pas à direction. J'ai du mal à direction au départ. Direction Nathalie Bach, de surcroît ma mère, c'était un peu compliqué. Donc je lui disais, quand tu veux. Puis au bout de trois fois, je me suis lâchée, je disais action. Mais c'est vrai que c'est un souvenir qui va rester à vie. Tu vois, ça va vraiment être là. On va sentir sa nuque. Ma mère, donc l'actrice principale de mon court-métrage, je crois, en tout cas de ce qu'elle m'a dit, s'est sentie très à l'aise. Et elle m'a dit, je lui ai dit, tu fais pas ça pour me faire plaisir, tu fais ça parce que tu aimes le scénario, parce que c'était vraiment important pour moi. Et elle m'a tout de suite dit, elle me dit, mais si c'était pas bon, je l'aurais pas fait, ça serait pas te rendre service et ça serait pas me rendre service. Ça m'a rassurée.